À la limite, on croirait que j'ai un artefact qui m'empêche de me faire mordre par les bêtes. Est-ce que j'oublie rien au moins ici? Non, c'est bon. Putain, la différence entre quand j'ai pas mon artefact bleu, bah, elle se fait sentir mort. Ah putain, ce passage là il est génial là. Là faut réussir à passer sans se faire transformer en merguez en fait. Ça se recharge. Ça sera encore plus ironique si il me demande des morceaux de mutants et que j'ai exactement tous les morceaux qu'il faut. Bon, cette zone je l'ai pas encore explorée, ce que je me suis dit, ça va faire partie du scénario, même si j'ai déjà des choses de révéler, ben on va pas y aller tout de suite. Donc Yantar, qu'est-ce que ça donne? Alors le laboratoire est juste en face, c'est Bueno ça. Dans une sorte de camp en forme de rond. Bien sûr, il y avait des stalkers possédés. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Ah. Ah, ça c'est un membre du devoir, est-ce qu'il avait comme arme? Bon. Une PM, bof. Effectivement, on est au courant pour le laboratoire, mais on ignore sa position exacte. D'ailleurs, essayer d'y pénétrer serait bien trop dangereux. On étudie les émissions dans le labo X16 depuis longtemps, mais hors de question d'y entrer sans équipement spécial. On a créé un dispositif de protection psy qui immunise contre les émissions, mais il n'est pas encore au point. Si vous nous aidez à le finaliser, je vous donnerai un prototype en bon état de marche, et vous pourrez ainsi pénétrer dans le labo. Eh oh! Eh oh! Là. Alors le croque-mort, la combinaison unique, le clair de lune, je le connais pas celui-là encore. Eh oh. Yeah, je peux me racheter des combinaisons en tirade avec ça. Oula, c'est quoi ça? La pellicule? Les brûlures chimiques, wow, cool. Un pompe, des soins. Pas mal, pas mal.
Alors. Alors ça, c'était contre la perforation. Contre ça, c'est un truc de santé. Eh oh. Ah, c'est bon, j'ai compris. La fleur de slime. Celui de la brûlure chimique, Eh oh. on va le garder pour voir ce que ça donne. Waouh, putain, il nous a donné masse de trucs à faire. Eh oh. Putain, il va essayer de dire EO. Hop là. Il y a des trucs ici à faire. Ce qui me renvoie. Eh Non. oh. C'est très dangereux dehors. Allez-y d'abord. Ok. Ça c'est quoi? Tu es des... Oh, la mission se trouve plutôt à gauche. Donc on va aller à gauche. C'est parti. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Ok putain, j'avais pas vu. J'ai l'impression que le son du jeu il est ultra fort. C'est une impression. Ah putain, lui il est c'est un vrai M-bot ce mec hein. Il est chaud lui. Oula. Hein? On dirait que le détecteur perd la boule. Il faut absolument qu'on aille plus loin, le tatoué. On peut rien faire si on reste ici. What the fuck? Eh hey, les gros, on peut pas le laisser comme ça. Laisse tomber, on peut plus rien pour lui. Le cataclysme aura lieu dans quelques minutes. On s'en sortira pas avec lui. Non les gros, je pars pas sans lui. Faut qu'on foute le camp vite fait. J'ai les mesures. On doit juste retourner au bunker maintenant. Oh, c'était subliminal.
T'inquiète, Coco, surveille qu'il n'y a pas de méchants. Allez Coco, bouge-toi. Voilà les résultats. Eh oh. Là, là et là. On peut pas faire plus précis. Ok. Faut que je configure le prototype. Ok, ça c'est bon. Un truc en moins à faire. Allez, c'est bon. Maintenant, on va le... récupérer le truc là-bas. Je trouve avoir que des zombies, ça va être cool. Je t'avais vu. Pas de pied de snork. Alors comment je rentre ici? Fermé. Il m'emmerde ces gars là. On a une mission pour vous récemment d'embaucher un Stalker pour se rendre à Poudlard. Elle avait bien remarqué son état de condition et le Stalker m'a dit qu'elle pouvait soigner les blessures. Ça, le Stalker n'est pas revenu d'avoir tort. On n'y pense même pas, on n'a rien à voir dans tout ça. C'est reconnaissant de s'y retrouver. Pourriez-vous aller chercher pour qu'on l'étudie? Ah, va falloir donc que je cours comme un taré. Salle de lune. Tu es encore un stalker. Tu as le repère d'ascension encore une fois. Trouver les documents. Bah. C'est quoi? Trouver l'armure, la tenue unique. C'est parti, un petit F6 hein, et on rush hein. Qu'est-ce que je vous dise? On va se cavaler comme Atari en fait. Magie. Ah,
c'est... ça va être assez compliqué, du coup. Sans armure contre les attaques psychiques. Offrez votre aide aux scientifiques. Alors si je lui demande gentiment les documents, il va me les donner pour que je les ramène au barman. Reviens. Excellent travail, Stalker. Vous pouvez pénétrer dans le labo, mais si vous ne désactivez pas l'émetteur, vous mourrez vite, même avec la protection psy. D'après nos estimations, l'émetteur se trouve au sous-sol du bâtiment. J'ai fait une marque sur la carte. Vassiliev travaillait au labo. Il y a une semaine, avec un stalker du nom de Spectre, il a tenté d'entrer. Quelques heures plus tard, on a ressenti une secousse terrible. Et une heure après, on a intercepté un signal de Vassiliev qui provenait des marécages et qui s'est brutalement interrompu. Il semblerait que Vassiliev ait disparu. Essayez de retrouver son cadavre. Il détenait des informations précises sur l'accès au labo, et peut-être même des renseignements pour neutraliser cette source d'émission. Je vous ai trans... Eh oh. Quand Vassiliev, ok. Derrière la décharge. J'ai bien qu'il y avait un truc qui clochait, j'avais pas fini explorer la zone. Il y a un snark qui traînait dans l'eau, je sais pas où il est passé.
Ah, c'est mec, putain, il veut pas crever. La source. Continuez à vous cacher dans le labo avec Spectre. Les zombies sont partout. Tout a foiré. Spectre est devenu fou. J'ai tout abandonné en tentant de sortir par les tunnels. Je suis dans les marécages. Mais où est le bunker? Merde. J'arrive pas à me repérer. Aucune réponse de Sakharov. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des zombies partout. Je vais être à court de munitions. Et en passant, c'est tuer les snorks. Et nous, les snorkies. Entrée. Ah putain, on a... Ah mais Coco, faut que je cherche des... la combinaison. Là. Ok, c'est bon. Donc c'est pas là qu'il fallait aller, faut bien aller haut parce que oui, je me dis si. Attends. J'ai pas la combinaison, comment je vais faire? Comment il veut que je rentre dans le labo alors que ma combinaison psy elle est pas assez suffisante quoi. Ah mais du coup il m'a donné la combinaison psy. Nickel.
Alors, est-ce que j'ai des trucs à fouiller? Alors, j'ai deux trucs à droite à faire. Bon, bah, allez, on va voir. Charge, charge. Piu 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 piu. Tu veux crever? C'est contre les entailles. Putain, elle a failli crever. Putain, y a combien de... Je crois qu'on est en train de décimer toute la base entière, moi tout seul. Non, toujours pas de bottes. Alors si on est vénère. Eh. Rien là toi. Connard. Ah, un boulon. Voilà. J'étais qui, moi? De gueule, toi. Bol va. Hop là, bon. Hop là, c'est quoi? Et voilà, des fois, faut savoir changer de gun. Là.
Ta gueule. Ok, d'accord. Il se passe des choses cheloues. Putain, il y en a combien de ces... des snorks, putain. Voilà. Finish him. Quoi que des fois... Ah putain, ça franchement en fait... Les pompes, ça a du bon. Ça plus tard. On va se garder un chargeur au cas où. Hop là, voilà. Ma grenade, hop là. Il y a pas de conneries à faire ici. Ça, c'est des balles de quoi que j'ai ramassé. 9.39, putain. J'ai rien qui tourne au 9.39, moi. Ah ouais, c'est vrai, j'ai mon casque psy sur la tête, c'est cool. Hop là, donc ça. Dommage, j'ai pas plus de balles de pompe, hein, mais bon. Faut dire que c'est assez gourmand, ces connards. Bon, allez, on reviendra si de toute façon une prochaine fois. Il y a d'autres caches à faire, mais j'ai racheté déjà des munitions chez El Famoso Scientifique. Qu'elle va pas me casser les couilles. Hop là. Ce seul ou étage. Devenu taré de toute façon ici. Bon, je prends un petit truc ici.